Sénégal, bonjour. Maître Moussa Sarr à la barre, voilà le titre qui barre la une de la tribune. Dans le journal, il s'agit d'un entretien de l'avocat sur le dialogue, les ressources, la situation politique, l'affaire Imam Daou, le procès de Khalifa Sall et entre autres sujets. Au sujet de la politique, Maître Moussa Sarr, interrogé par Abdoulaye Bo de la tribune, indique qu'avec Macky Sall, c'est tout simplement et tout bonnement du vade sans vade, comprenez du blanc bonnet bonnet blanc. Et ce qui est cousu de fil blanc, selon Maître Moussa Sarr dans la tribune, gravite autour d'un fait. Le Sénégal vit au rythme du même modèle politique depuis Senghor. En d'autres termes, c'est du surplace. Place à l'affaire de l'imam Daou avec Maître Moussa Sarr qui, dans la tribune, considère que ce n'est rien d'autre qu'un procès de soupçons. Malgré les soupçons de l'opposition, enquête quotidienne révèle que la loi portant révision du code électoral a finalement été votée hier. Aujourd'hui, retenons d'après l'enquête que c'est la majorité et rien que la majorité, toute la majorité qui parraine Macky Sall. Quoi qu'il en soit, querelle, invective et injure ont rythmé la plénière, indique enquête. En atteste les propos retenus par le journal de Maître Djibril Ouar qui, en bon boy biscuiterie, a tenu à dire « Je bastonnerai quiconque tentera de jouer les troubles faits. » Les faits étant sacrés, Sud continue toujours sur l'adoption du projet de loi portant révision du code électoral hier, titre « L'Assemblée donne corps au parrainage. Action-réaction. L'opposition sera dans la rue le 13 juillet prochain, renseigne Sud quotidien. » Le quotidien le soulignait. Modification du code électoral, la loi votée. L'opposition manifeste le 13, mais avant, Réumi quotidien revient sur les réactions avec Maître Aissata Talsal qui dira « Nous avons un débat par procuration aujourd'hui. » Aujourd'hui, Réumi quotidien note les propos de Mustapha Guirassy alias Moriba, à savoir « La démocratie a mal, le mal étant consommé. » Détier Fall, numéro 2 du parti Réumi, ou le nanditeur de classe exceptionnellement exceptionnel dans l'exceptionnalité et en toute exception dira « Billahi, Wallahi, Watalahi, Ali, Ndiaye n'est ni indiqué, encore moins habilité à organiser la présidentielle de 2019. Action-réaction, Ali Ndiaye de répondre à Détier Fall en déclarant « Wallahi, c'est moi qui vais organiser les élections et par la force de l'imbam. » Et comme il est dit, « Mbam gat no waïsi djurgi le bon », Réumi quotidien retient et fait retenir le baroud d'honneur de Maître Mandiké Nyang. L'El Ibn Ndel en appelle à la une de la tribune. Le journal sur la présidentielle de 2019 écrit « La candidature problématique de Karim Meïssa Bad. » S'agit-il d'une candidature Farumbam, voire Chayambam? En tout cas, l'As quotidien nous livre les propos d'Ali Nguingay, ministre de l'Intérieur, à savoir Karim Meïssa Vad, comprenez l'El Ouldendel, ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que selon Ali Nguingay, dans l'As quotidien, parce qu'on ne peut pas être élu député dans un département ou maire dans une commune sans au préalable figurer sur les listes électorales. Même les lutteurs ont besoin de licence pour pouvoir lutte, sinon le CNG ne les acceptera pas, vrai ou pas. En tout cas, Réumi quotidien indique défiance à Macky. Karim joue son va-tout, tout sur les coups au bas de la ceinture entre Pitou Ramatou, Mambay Nyang et Amadou Ba dans la tribune. Le journal parle de la guerre qui s'intensifie au sommet. En d'autres termes, entre Amadou Ba et Mambay Nyang, c'est désormais chien et chat. En attendant de savoir qui est l'un et qui est l'autre, le soleil affiche à sa une Sénégal-Pologne aujourd'hui à 15h05, jour de vérité pour les lions. Et pour les lions, Vox Populi retient et fait retenir le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le quotidien, sur le match Sénégal-Pologne révèle au pied des montagnes russes. D'où le titre qui barre la une de l'As quotidien, à savoir allez les lions, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal affiche les propos du coach des lions, Aliou Cissé, à savoir vous verrez la meilleure équipe du Sénégal. Et là, mais la tchidong de Wolebok. En tout cas, retenons que pour les lions du pays de la Teranga, ce sera comme le dit Tafa le progressiste, bug bré bré, beigne bré bré.